Et salut tout le monde, c'est Distin. On se retrouve pour la suite de la carrière F2 au programme de Grand Prix. Enfin, au moins, ça dépend si on casse des voitures. C'est la précédente vidéo, j'avais cassé pas mal de voitures, du coup, on avait fait 3 Grands Prix. Du coup, on va partir là pour le premier Grand Prix de Silverstone. Avant de lancer le Grand Prix, enfin, le tour de qualif, je t'invite à liker, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceci étant dit, je vais lancer le tour de qualif en espérant faire une pole. On joue le titre quand même, on est deuxième à moitié du championnat. La dernière course, on a récupéré 26 points de retard sur comment, Mick Schumacher qui est leader. Donc c'est pas fini en fait, ça va très vite. Il suffit d'une mauvaise course d'un pilote et d'une bonne course, un bon résultat, ça peut tout s'inverser. Ah, c'est parti. Ah ouais, c'est pas, je crois que c'était un virage plus lent que ça. Je crois que c'est assez rapide ce virage. Je suis pas spécialiste. Hein. Je suis vraiment amateur de Formule 1. Je regarde, bah plus maintenant, j'ai plus Canal+, mais je regardais quand j'ai le temps et quand j'y pense. Mais j'aimais bien regarder. Après, je suis pas un expert, je suis vraiment un amateur. Ah mais si, je l'ai déjà fait sur Silverstone, je crois. Je crois que j'ai déjà essayé, je sais plus. Ah si si, je l'ai fait. Allez. Un gros freinage. J'attendais un virage plus. Je voudrais que je regarde pas la map. Peut-être c'était un petit virage. Je vais enchaîner là. On avance quand même sur le chemin là. Une dizaine. Oh, c'est déjà, je croyais qu'elle était plus loin que ça la ligne d'arrivée. J'ai même pas vu une promo du tout. Ah, une pole, c'est bien. Avec un chrono de. Les qualifications sont terminées. Et 1:48. Nous sommes prêts pour une seconde 3 sur le deuxième demain. Sur Schumacher. Voici les 3 meilleurs. On récupère 4 points d'avance du coup sur Schumacher. Là, il faut aller au bout de la course pour récupérer des points d'avance sur Schumacher encore une fois. Après, je sais pas c'est quoi le Grand Prix après Silverstone. J'ai pas regardé. Et bonjour à tous. Ça doit être bien d'aller voir un Grand Prix. Je sais pas si vous avez déjà été voir un Grand Prix, mais non. Ça doit être pas mal à aller voir. Mais je crois que c'est assez cher. Ah, j'ai pas fait un très bon départ. Ah, il va le bouger. Non, je vais pas le bouger. Je vais freiner tard parce que. Oh, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Allez, tranquille. Je sais pas si c'est parce que les pneus sont pas chauds, mais ça glisse. Je sais pas si ça a pris en compte ça, dans le jeu. Dans les paramètres que j'ai mis moi. Sur
Moi, je crois pas l'écart, 2 secondes 3, 2 secondes 3 et 2 secondes 4. J'ai un peu coupé les virages. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien dit, comme ça, du coup. 4 secondes, d'un coup. Il a dû faire une erreur, parce que non, c'est pas moi qui. Il a l'impression de mieux conduire. Je sais pas si c'est plus dur à la manette ou au volant. Au volant, ça doit être bien. C'est bon, c'est bon ça. C'est plutôt bien. Là. Ah, des fois un petit coup de freinage, ça remet dans la trajectoire. 7 secondes d'avant. Je crois que je vais augmenter un peu la difficulté parce que là, une fois que tu es devant, en fait, même si tu fais des erreurs, tu creuses l'écart à chaque fois. En fait. Si tu es en intermédiaire, je vais mettre un peu plus, on va voir. Oh là, oh là, oh là, la merde. 46, c'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Et hop, accélération en fond. Je suis chaud, je m'enflamme comme d'habitude. Hein, dès que je fais un bon tour, je crois que je suis trop fort. En fait, je suis nul à chier. Ouais, je freine un peu fort. Hein. 10 secondes presque sur le chemin, c'est bien ça. Un peu trop serré, ça bon, ça passe. Du coup, j'allais glisser. Ah, mais pas bon, merde. Pas bon, deuxième secteur. 780 centièmes. Meilleur secteur, bon travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Voici l'écart avec notre coéquipier. 18,3 secondes. Ah, le coéquipier, il est nul, je suis sûr, il est dernier. Toujours pas marqué de points. Je commence à piger le truc. Hein. Très secondes, ouais, il faut que j'augmente au prochain.
Même si ça se trouve, je vais pleurer, mais j'augmente là, c'est un peu trop facile. Le deuxième secteur, j'arrive pas. Après là, il n'y a que 0,17 centimes. Ouais. En fait, c'est dans les gros virages que je rattrape du temps. J'aurais freiné assez tard. Ah, j'ai mal pris. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Ah, c'est le dernier tour. Vas-y. Quand on s'amuse. Ouais, non. Il n'y aura pas de record du tour. Hein. C'est con, par contre, en F. Je sais pas si dans la vraie vie, en F2, c'est pareil, mais. C'est vrai qu'il n'y a pas le point de bonus quand tu fais le meilleur temps. Quand tu fais le record du tour. Après dans le jeu, ça y est pas. Meilleur secteur quand même. Mais le deuxième, j'arrive pas à chaque fois. Vas-y, on va essayer. On va chercher un petit record. Des virages rapides que j'aime bien. Après je savais bien les lignes des trajectoires. Là. Ah j'ai réussi à faire 1 seconde 5 du mieux. Oh c'est bon ça. C'est un bon record je pense. Du coup. Un peu large. Hein. Emploi damier. Oh, très large. Ah, j'ai pas vu du coup si ça fait un record. Tu as réussi, bravo. C'est Schumacher qui finit deuxième ou pas? Schwartzmann encore. Je sais jamais moi le pilote du jeu. Si ça a été la première course, quoi. Une nouvelle victoire sensationnelle pour... Et Schumacher, il fait combien Schumacher deuxième. J'aperçois à présent les pilotes approcher de ce podium qui va récompenser la performance de toute une équipe aujourd'hui. Bravo. On s'en fiche. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Ce week-end n'a pas été favorable au leader du championnat. Il a vu son avantage se réduire. 17. Passons au pilote du jour. Ah, c'est David bien, ça. Ebalsecki, pour qui votez-vous? Difficile à dire, mais je pense que c'est Guan Yu. Avant de lancer le prochain Grand Prix, il faut que j'augmente le niveau. C'est de l'augmenter. Peut-être l'augmenter de 10-15 points. On va voir. Paramètres de simulation. Là j'ai mis 50. Intermédiaire et c'est au milieu. Si je mets. Allez 60, difficile. Alors on va mettre 59. On va être au plus dur de l'intermédiaire. Et là du coup c'est quoi Budapest? Si je vois que c'est encore trop facile, la fois prochaine je mettrai en difficile. Parce que j'ai peur de mettre en difficile. Si je mets en difficile, que ça soit justement trop dur. Budapest, je crois, je l'ai pas compris, je l'ai jamais fait. On va voir autour du Calix si ça change déjà. Schumacher encore, salaud. Jusqu'au bout, je crois qu'on va se tirer la bourre. Ah, trop large.
Je suis 22e alors que je suis juste derrière. Oh non non, oh, on drift, oh lolo, paf, plus de voiture. On va recommencer quand même. Ah celui-là, je sens qu'il va donner du fil à retordre, je peux faire une pole. On va bien faire le top 10, ça va bien déjà. Ah j'ai pris trop l'air. Ah, je suis passé. On n'a pas si loin. Eh non, le même erreur que tout à l'heure. Exactement, on va recommencer. Putain, au même virage, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi il glisse. Ça glisse. Putain, je suis pas dans l'herbe au départ. Je suis ni dans l'herbe, mais au départ, je suis pas dans l'herbe. Oh, j'ai pris beaucoup trop l'herbe. 22e. Ah oui, m'étonne le sale virage que j'ai pris. Putain, mais je le prends trop large, le virage. 17e. Je suis pas dernier pour l'instant. Ah là, c'est ce virage-là, non, qui arrive plus. Là, c'est celui-là. Ah, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Je suis pas glissé, mais je suis dernier. Ouais mais c'est pas possible, je glisse tout le temps en ce moment à cet endroit là. Dernière chance, hein. Même si je me plante jusqu'au bout. Vas-y à fond. Je suis premier. Ouais. C'est mieux là, le projecteur. Ah, c'est le virage après celui-là, c'est chiant. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Putain, il est pas compliqué. C'est parce que je vais le prendre trop serré, et du coup, à mon avis, je dois mordre un peu sur l'herbe, ça me fait partir en tête à queue. Finalement, il était pas si compliqué que ça, pourquoi j'y arrivais pas? Oh, 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 calme-toi, calme-toi. Il est juste derrière moi. Oh, on va faire une pole. Oh, largement, mais... Ah non, il est juste là. Oh, une pole de courte tête, apparemment. C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. Alors. Nous nous remettons doucement de nos émotions à l'issue de cette qualification. Oh oui, 152 centièmes sur Schumacher. Mon coéquipier est combien? Les qualifications s'achèvent. Il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre la course principale en intégralité. Allez hop, c'est parti pour la course. Mais ah oui, la course, je ne veux pas avoir trop le droit à l'erreur. J'ai vu comment il était derrière moi, juste derrière moi. Il va me mettre la pression. C'est parti. Bienvenue. Oh, il pleut. Oh, putain. J'ai jamais fait sous la pluie. Oh là là, ça va être chaud. Si, les pneus pluent. Putain, un bon départ par rapport aux autres.
contre les stomachs, donc ça a l'air de glisser. Oh la vache, comment ça glisse, ça n'a rien à voir. Ouais, ça, la voiture va tout droit. Quand tu freines. C'est de l'aquaplaning en fait. Celui qui va mieux gérer les dérapages en fait. Oh, c'est horrible. Là je suis quasiment jamais à fond. C'est pas possible. Ça existe tout le temps, c'est un truc de ouf. Ça peut même pas accélérer tellement que ça glisse. Je m'en vais passer devant, je pars en tête à queue. Et vas-y, mais reprends la. On réfléchit à une stratégie viable. Mais vas-y, il m'a foncé dedans, tu souhaites une solution à lancer ou on change ? C'est moi qui ai pris les pénalités, mais t'es sérieux, 5 secondes, je me fais rentrer dedans. Pas la peine. J'ai explosé sa gueule. Dis-moi si tout va bien. Attends, c'est pas moi, c'est lui qui me rentre dedans, je prends les pénalités. Je l'ai défoncé, je sais pas qui j'ai. Boum! C'est désintégré la voiture. Il n'y a plus personne. Abandonner session. Bon bah Schumacher, il va être champion. J'ai encore pété une voiture, c'est la quatrième de la saison. Bon, du coup on va refaire un Grand Prix de plus. Hein. Alors que nous repensons. Putain, il va prendre 27 points d'avance. Non, 24, parce que c'est moi qui fais la pole. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Pourquoi il prend 27. C'est un bon résultat pour Mick Schumacher qui creuse l'écart au sommet du classement. Alors, moi, David Valsecki, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Ah, je pense que c'est Guanyu Zhao. Il a très bien couru du début à la fin. Il a de quoi être fier. Donc, prochain Grand Prix, c'est. Manicourt, non? Ah non. Spa-Francorchamps. Bon, on est parti. Il pleut pas déjà. Il fait beau. C'est parfait. Tour de qualif. Putain, j'en reviens pas quand même. Sous la pluie, c'est carrément différent. Vas-y, de toute façon, je leur fais confiance. Hein. C'est parti. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah ouais, il tourne sec celui-là. Ah non, il y a les murs, j'aime pas. C'est quoi ce virage dans la cuvette là? T'as pas de stabilité? Oh là, c'est trop bizarre. Je suis marre avec une première avance. Ça me sert à l'éclairer. Oh, j'ai trop frais, j'ai trop. J'ai bugué. J'ai braqué trop vite. Je suis dernier, pourtant j'ai le voisin. Je devrais être, je sais pas, au milieu du peloton. De dernier à troisième et troisième à 18e, c'est un truc de dingue. En un virage. Seizième. Bon, c'est un truc de ouf, soit je suis premier, soit je suis dernier à chaque fois.
paniquer. Ah ouais, il va arriver, c'est bon encore. Arrête de bouger dans l'air, Konyo. Oh là, oh, j'ai eu de la chance, je suis toujours devant. Il est juste derrière. Oh, il est passé devant moi. Oh, le dernier virage, je l'ai complètement craqué. Deuxième. Bon, c'est pas grave, c'est bien deuxième. Vu le tour, les erreurs que j'ai faites, deuxième, c'est vraiment bien. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux trois meilleurs chronos. Schumacher, le prodige et Yuki Tsunoda. J'espère qu'il pleut pas parce que c'est une cata quand il pleut. Par contre, les chargements, ils sont, je les trouve très longs. Bon, il pleut, il fait beau, c'est bien. Après la... On a commencé la course. Oh, j'ai pris un très bon départ. Mieux que rien. Ah, par contre, il m'a coupé la porte, mon salaud. Il faut que je suis en face de moi. C'est lui, hein. Il gêne. Ah, c'est bien là, je l'aime pas. Ça tremble, c'est pas stable. Comment il est passé? Ah, l'aspiration, il passe tous. On fout, son visage est dégueu au garage. Ça va être la bagarre. Je vais prendre l'intérieur. Oh, parfait, le déplacement, c'est beau. Chaud. Non. Je suis en train de creuser les cartes, c'est bien. Oh, t'as une ligne droite, je suis pas bon. Qu'est-ce que j'ai les bons réglages de voiture? Oh, deux secondes pour virage coupé, mais non! Tu as reçu une pénalité pour cet incident. Ouais, je suis la merde. Il y a pas photo, j'ai coupé. Je vais mettre plus de 2 secondes pour être prêt. Je suis à 2 secondes, c'est bien. Putain, il a commencé à 30, laisse tomber. Il me rattrape à chaque fois ici. Putain, je suis à fond. Trois secondes.
ça. Pas de boule. Presque 4. Ah mais recoupe pas le virage. Ouf, c'est avertissement simple. Qu'est-ce que s'il me remettait 2 secondes, je vais... Entrer plus lentement dans les virages, on risque de prendre une pénalité. Schumacher 2-0-6. Il est en train de réduire l'écart, mais il me rattrape. Tant que je suis dans les 3 secondes 5, c'est bien. Ça me gratte. Cinq secondes. Oh, c'est bon ça. Pas le con, je sens que ce virage-là il va me coûter cher. Je prends trop serré à chaque fois. Putain, mais je prends trop serré le virage, c'est de la merde. Je décroche à ce moment-là, je n'arrive pas à faire un fond. Celui-là, à chaque fois, j'arrive trop vite. Virage coupé, mais non! Ah, du coup, mon temps, il est encore à nous. Un, deux, trois. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Avant-dernier tour. Il est assez long comme circuit. Ça tremble. Putain, comme truc de ouf. 6 secondes. Normalement, si je fais pas de conneries, c'est bon. Ah non, j'ai coupé. Ah, je me suis trompé, je croyais que c'était le virage, j'arrive jamais. Je crois que c'est le prochain. C'est celui-là, le prochain gros. J'ai pas coupé là, pourquoi il me fout 4 secondes, il est fou lui. J'ai pas coupé, c'est il est le meilleur tour en course, continue comme ça. Mais ils exagèrent, autant en première fois ouais, mais là j'ai pas coupé. Pas grave, j'ai 7 secondes. Je me fous des handicaps même. Dernier tour.
ne sera pas les derniers. Des 6 secondes c'est bien. Une pénalité quand même de 4 secondes c'est beaucoup. Oh putain, oh putain. Oh lolo. Oh lolo. Il est juste derrière moi, non. Oh c'est mort, 4 secondes, j'ai jamais dû remettre 4 secondes là. Oh putain, je suis trop vert, je fais une erreur. Juste avant, je dis si je suis dans les 5 secondes, 6 secondes, c'est bien. Putain, je vais finir même pas. Je vais finir 3ème. Oh non. Je suis dégoûté. M'en fous. 6 secondes. Oh non, mais quel con, je vais être 5ème. Oh non. C'est la fin de la course. Rendez-vous au parc fermé. Putain. Oh, mais quel con, sérieux. Tsunoda, meilleur pilote. Enfin, pilote du jour. Oh là là, je dois être premier. Je fais une tête à queue à la fin. Oh non, j'avais 8 secondes d'avance. La cérémonie de remise des prix va bientôt commencer. Schumacher qui gagne encore. Putain, le salaud. Oh, je suis dégoûté. Je marque combien de points, moi, du coup? 5ème, non? Après cette nouvelle manche du 4. Championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Putain, j'avais bon le temps. 2-0-4, sérieux. L'écart au sommet du classement. J'ai une question pour vous, David Valsecchi. Qui est le pilote du jour? Difficile à dire, mais je pense que c'est Guan Yu Zhao. Il est resté concentré durant toute la course et le résultat est à la hauteur de sa prestation. Passons donc aux écuries. Fréma renforce sa position de leader 115. Au championnat. Carouge peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de cette course. Pas un point, là, l'écurie est parvenue à monter au classement. Pas marqué de point. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment... Oh, je suis dégoûté. J'avais 8 secondes et je suis pas en tête à queue. Oh là là. Comment je suis vert. Bon bah la vidéo va s'arrêter sur une déception. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.